Dans la démonstration qui va suivre, nous allons utiliser une balance à courant. Alors, cet appareil-là ici, c'est la balance à courant. Dans la balance à courant, il y a une tige qui est fixe, celle-ci, puis une tige qui est mobile. Et on peut voir que la tige mobile, dès qu'elle est soumise à une force verticale, elle pourra se déplacer librement. Ce que nous allons faire passer des courants dans ces tiges-là. Pour faire passer le courant, ça nous prend une source de tension qui est ici. Alors, source de tension, courant continu, borne positive, borne négative. Et ça nous prend un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui est situé ici. Si on regarde le branchement actuel, on pourra vérifier dans quel sens vont les courants dans les tiges. Alors, disons qu'on part de la borne positive. Souvenez-vous, courant conventionnel, le courant s'en vient comme ça ici. Voyez-vous ici, il y a un poteau qui est métallique, le courant va monter, va se déplacer vers l'avant de la balance à courant, et ensuite, dans la partie mobile ici, le courant va aller de gauche à droite, il va retourner vers l'arrière, il va descendre dans le poteau métallique ici, va circuler dans le fil qui va l'amener à ce poteau ici, donc à la tige fixe. Le courant va aller de gauche à droite dans la tige fixe. Et on peut voir que le courant va retourner à la source de tension. Donc, on a ici deux tiges qui vont être parcourues par des courants dans le même sens. Alors, il suffira de tourner le bouton qui est ici pour changer l'intensité du courant dans les tiges. Et attardons-nous à l'interaction entre les tiges. Alors, on augmente le courant. On enlève le courant. Alors, on a vu que les deux tiges, lorsque parcourues par des courants dans le même sens, exerçaient entre elles une force d'attraction. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons changer le sens du courant. Au lieu d'avoir deux tiges qui sont dans le même sens, on va avoir des courants qui sont en sens inverse. Alors, voici, on n'a qu'à changer le branchement des fils ici. Regardons avec ce nouveau branchement le sens du courant dans les tiges. On revient ici. Borne positive. Courant conventionnel, comme tantôt, s'en vient. Il va monter dans le poteau métallique qui est ici. Le courant s'en vient vers l'avant. Ensuite, ce courant-là donc, va aller encore de gauche à droite avec ce nouveau branchement-là. Maintenant, le courant va descendre dans le poteau ici. Maintenant, regardez. Le courant va monter dans le poteau qui est ici, qui va l'amener à la tige qui est fixe. Et maintenant, dans la tige qui est fixe, le courant va aller de droite à gauche. Donc, on va avoir des courants en sens inverse. Et maintenant, regardons quelle va être l'interaction. On augmente le courant. On enlève le courant. Alors, on vient de voir que des courants en sens inverse exercent entre eux une force de répulsion.